Faire un petit test avant. Et on est parti. Alors j'espère que ça ira, parce qu'il y a la clim qui va derrière. J'espère que ça ira. Et on est parti. Ouais. Alors j'espère que c'est. J'ai mon retour. Du coup, bonjour à tous. On est sur GTA 2, donc Grand Theft Auto 2. Hein. C'était mon premier jeu, celui-là à l'époque. GTA 2 avec le fameux contrôle parental, hein, qui n'existe plus. C'est le seul d'ailleurs qui a un contrôle parental, je pense. Ça pète les oreilles, ça, monsieur. Ok. Je sais pas trop comment ça se passait, je sais que ça a très très mal vieilli ce jeu-là. Je vais faire attention parce que ça fait mal aux oreilles quand même le truc. Allez, c'est parti, hop. Nom du joueur, on va. Ça va péter les oreilles. Allez, démarrer au niveau 1, c'est parti. Alors on est loin d'un GTA 5 ou d'un GTA 4. C'était le tout premier GTA à l'époque. Je sais pas trop comment ça tourne, c'est plus sur émulateur, donc on va voir ça ensemble. Ah, ça commence déjà bien. Donc les GTA en fait, les premiers en tout cas la trilogie. Je vous expliquerai après, attention. Salut étranger, bienvenue au centre presse de l'encontre si tu veux savoir ce qui se passe. Ok, et normalement on peut. Passer. Non. Il passe de lui-même ou pas du tout, je ne sais plus. Qu'est-ce que c'était galère ça à l'époque? Et donc en fait la trilogie, donc quand je parle de trilogie, en fait on avait GTA 1, GTA 2 et son extension qui s'appelait GTA London à l'époque. Donc c'était que de la vue aérienne comme ça. C'est seulement à partir de GTA 3 qui se sont mis en vue en troisième personne. C'était quelque chose à l'époque les GTA 1. Jamais fait le 1, j'avais fait l'extension London il y a quelques années. Mais le premier GTA que j'ai fait, en tout cas, c'était celui-ci, c'était le GTA 2. C'était assez fun, du coup. C'est possible pour un clan, tu suis leur marqueur de couleur vers leur téléphone pour avoir du travail. Mais n'oublie pas de faire preuve de respect. Donc on va y aller, on va aller piquer une caisse. Hop. On n'avait pas le choix à l'époque entre un homme et une femme, hein. C'était vraiment imposé. D'ailleurs, il y a une caisse qui est là. Je me sens un peu le son de mon casque. Oh merde, j'en ai écrasé un, c'est pas grave. C'est absolument pas drôle parce que les touches en plus sont inversées. Je peux vous dire que c'est quelque chose, hein, un GTA comme ça. Ne tourne pas cette bagnole. Non, c'est juste un petit test, hein, comme ça, juste pour le fun, histoire de se détendre un petit peu. C'est pas pour moi. Hein. La police derrière. Ah, mais laissez passer, quoi. Bon, on va aller à la flèche blanche. Je sais pas où c'est, mais on verra bien. Je comprends pas pourquoi elle avance pas, en fait, la caisse. Ça n'avance pas du tout. Je fais attention parce qu'il y a des voleurs de caisse en plus pas loin. Y a pas un truc de réglage de manette là? Ah, pop-pop, y a pas de réglage. C'est avec la manette PS5 en plus. Regardez, hop, l'autre il s'est volé sa caisse. Les flics ne disent rien, donc tranquille. Putain, la conduite à l'époque c'était chiant. Honnêtement, la conduite à l'époque c'était ultra casse-bonbon. En plus, on n'avance pas, c'est ouf. Laisse éclater que ça la caisse.
L'autre, il se fait tirer dessus. J'avais fait une vidéo découverte il y a quelques années sur le premier GTA. Ah ouais, ça pique un peu les yeux, hein, mais... Je comprends même pourquoi on va du 2 à l'heure, là. Ça doit être par ici, du coup. Non, mais les téléphones sont là. Bon, je vais laisser la caisse là, tant pis. On peut frapper les gens aussi, hein, du coup. On peut péter, on peut roter. Je sais plus comment on fait pour frapper. On va comme ça. Du coup, les téléphones, ils sont là-haut. Même chose, on a notre petit système de vie. Là, ça pique les yeux. Bah oui, hein, GTA 2. Du coup. Hop. Hey, mon pote Trey, Welsh à l'appareil. On m'a dit que quelqu'un vendait secrets et bazou au flic. J'ai pas le temps de lire. On va aller voir, on va suivre la petite flèche. Comment on fait pour tirer? Attendez, hop, parce que là, j'ai un problème de touche. Ok, c'est bon, ok. D'accord, j'ai compris. Non, c'était quelque chose à l'époque, hein, les contrôles dessus. Je vais pas en faire un let's play. Voilà, c'est juste pour se détendre un petit peu. Celle pour redécouvrir un petit peu les joies de la PS1. Hop. Bon, ça doit être par là du coup. C'est vrai qu'il y a des missions qui sont timées. Ouais, tiens, hop. Donne-moi ta caisse, toi. Hop. Ah bah non, il fallait aller là. Là, elle est là, ok. T'as pas fait les premiers GTA, toi? Hop. On va piquer une caisse de flic. Travaille, mon pote, va vite à la gare d'Avalon. On y va. Il y en a un qui est sorti en vue comme ça, c'est le Chinatown, qui est d'ailleurs dispo sur DS aussi. Qui était sympa à faire également. Voilà, on va plus vite ici du coup. Elle est vraiment chouette la DualSense à prendre en main. Bon après t'as pas le retour haptique hein, pour forcément les jeux hors PS5, mais... Mais elle est vraiment cool à prendre en main. Oula, attention. Merde. Par contre, le pilotage est catastrophique. Pour info, le Chinatown, en fait, c'est une ville qui apparaît dans... Enfin, dans les premiers GTA, d'ailleurs. C'est une ville d'Amérique. Enfin, un petit quartier d'Amérique. Klaxon. On va klaxonner, du coup. Ok, voilà. Non, j'ai pas la PS5. Juste acheté la manette, moi, en fait. C'était juste pour le PC, parce que Spider-Man est sorti, il est compatible avec, avec la DualSense, donc... c'est pour ça que je voulais profiter un petit peu des gâchettes adaptatives et du retour haptique. Et c'est vraiment sympa à faire. Après, le retour haptique et les gâchettes adaptatives n'est pas compatible avec tous les jeux... Les jeux PC, malheureusement, ça commence seulement à se mettre en place du coup de la part de Sony. Mais non, franchement, c'est cool. On a une bonne prise en main.
Il va se faire chourer sa caisse. Je l'avais dit. Oh merde, j'ai écrasé un flic. Ah. C'est pas grave. Bon, où est-ce qu'on va là? C'est vrai qu'à l'époque, la police, c'était pas des étoiles, c'était vraiment bah, la tête de flic qu'on voit. Ah, ça allait jusque 3... 3 ou 4... Ça allait jusque 3 ou 4 étoiles, je crois. Bon, voilà, je suis sorti de la caisse, du coup. On va se barrer de là. Hop. Après, pour les stocks PS5, à mon avis, ce sera pas avant 2-3 ans. Hein. Faut pas. Je l'ai payé 60 euros, moi, celle-là. Je l'ai payé 68 euros, la manette. Ah, c'est vrai que c'est pas donné. Après, pour la basique, c'est le même prix aussi, je crois. Attends, je vais retourner dans la caisse parce que je sais pas quoi faire. Est-ce qu'on a des objectifs, du coup? Sors de la voiture, mon pote, et laisse la grue faire son travail. Ah, ben voilà, ok, il fallait la mettre en dessous de la grue. La mettre en dessous de la grue, je crois. Voilà, c'est bon. Fallait juste la mettre dessus. J'ai une PS5 à un cash 800 euros. Bah, c'est assez courant en fait. Hein. Le problème, c'est que tu risques d'en voir assez souvent à ces prix-là. Il y avait un type sur Twitter qui avait fait une vidéo, s'il a un commerce indépendant. Il a fait une vidéo justement avec. Il vendait une PS5 à 900 et quelques, 950 euros, je crois. Donc t'as la console, t'as un casque, une manette en plus et quelques jeux. Tout simplement parce qu'ils sont obligés en fait d'avoir de la marche. Malheureusement. Étant donné que la console est en pénurie, bah, ils sont obligés d'avoir une marche dessus. Ils ne peuvent pas vendre la console séparément. Parce que ça leur fait du coup un bénéfice à eux. Dit comme ça, c'est vrai que c'est un peu chiant. Je t'avouerai que moi-même j'en ai ras-le-bol de voir que t'as pas mal de gens qui les vendent à des prix exorbitants. C'est pour ça que j'attends du coup un potentiel restock dans les commerces. Parce que là on parle de fin de pénurie dès 2024, le problème étant que dès que ça va sortir des pénuries, le problème c'est que les gens vont quand même tous foncer dessus. Et bah ouais, avec accessoires, du coup, ouais, mais c'est quand même pas donné. Hein. Il y en a plein hein, sur Marketplace qui les vend à des 600, 700 euros. Et puis t'en as cachette, hein, du coup. Ouais. Mais ouais. Donc, comme on a vu en 2025, on est encore là avec les stocks PS5. Le temps que ça se calme, en fait. J'espère qu'on n'entend pas trop la clim derrière, parce que ça fait un boucan chez moi, c'est atroce. Il fait chez moi, il fait à peu près 25 degrés à l'étage, hein, du coup. C'est terrible. Du coup, là, on a pris une clim, et on fait assez chaud. C'est pire que ma première PS4 en fait, elle fait autant, ça fait autant de boucan. On dirait un avion de chasse qui va décoller. Pouah, ça roule pas, c'est une bagnole. Ça roule pas du tout. Du coup là j'ai été chercher des protections de joystick, du coup je fais action. Pour 2 euros, t'as une protection en silicone qui m'intéresse pas, mais t'as les protèges joystick. Je te
trouvais ça super intéressant. Parce que j'aime pas trop de jouer avec les joysticks sans rien dessus, en fait. Parce que ça s'abîme très très vite. Oh, merde, c'est rien, j'ai écrasé un gars, mais c'est pas grave. Hein. C'est pas moi, c'est la voiture. Ouais, bah en plus c'est que le PC qui tourne à côté. Je te dis pas. Hein. Tout à l'heure j'avais arrêté les ventilos dans le PC sans le faire exprès. Je te dis pas la chaleur. Hop, et on va retourner là. Tiens, est-ce qu'on peut sauvegarder déjà? La sécurité des évasions, c'est un travail à plein temps. Aussi 20 000 $, ok. Moi je veux juste sauvegarder à la base. Si possible. Trafic de bonbons. Yakuza, ils ont des rues de Wiz. Au marché. Je fais l'erreur sur Brother Sin Arm. Mais les derniers niveaux sont un peu chauds par contre. Je pense que tu dois pas être très loin de la fin, je pense. Je suis pas sûr. Mais les derniers niveaux sont assez compliqués, ouais. Hop, allez, je reprends ma voiture. Normalement, on est censé avoir de la musique dans la caisse. Je vais peut-être pas prendre le risque de mettre les musiques. Je savais pas pour les ventilos. Mais si tu parles de ceux qui sont dans mon PC. J'ai une télécommande, enfin j'ai un boîtier pour les arrêter. Tout à l'heure j'ai fait une mauvaise manie et je les ai tous arrêtés, et du coup ça a chauffé. En fait, les ventilateurs ça dépend le processeur que tu as, hein, du coup, donc ça a tendance à vite chauffer. Est-ce que c'était par là? Je sais pas. Ouais, c'était là. Parfait, nickel. J'arrive pas. Dépêche-toi, mon pote, et garde l'œil sur l'horloge. On a que 3 minutes. Aïe. Ah, pour te dire, j'en ai 6 dans mon PC des ventilos. Et puis t'en as qui s'étonnent, oh, pourquoi t'en as autant? Bah, si tu veux pas que ton PC surchauffe. Si tu veux pas que ton PC surchauffe, vaut mieux en avoir. Faut mieux en avoir quelques-uns, du coup. Tu vas faire quoi du coup? Tu n'as que 3 minutes pour ravitailler les pompes. Ok. Ok, 3 minutes. Ok. Hop. Voilà, monsieur. Pas sûr qu'en 3 minutes, on arrive à faire quelque chose, mais bon. Forbidden Sirène, 97 euros. Bah, je l'ai eu pour 10 euros, moi, donc je suis bien content. Je l'ai eu en OKS il y a 2 jours, à 50 euros le truc. Moi, je l'ai eu pour 10 euros avec une boutique qui est en train de fermer. Il était en train de liquider tout son magasin, donc du coup, ben, j'ai eu pour 10 euros. Avec Resident Evil Outbreak File 2. 10 euros aussi. Il y en a un que j'ai payé un peu plus cher. Merde. Ok, bon, j'ai pris sa voiture, c'est pas grave. Et il y en a un que j'ai payé 15 euros, c'est le Fable Anniversary sur 360. Bon, j'en ai profité, hein, du coup. À 57 euros, j'avais dit 97. Ouais, c'est super cher hein, les jeux PlayStation 2. Je suis assez étonné d'ailleurs de voir qu'il y en a. Il y en a qui ont vraiment des cotes de fou. Oups. Je vais arrêter d'écraser tout le monde. Hein. Merde! J'en ai écrasé. Ah, j'en ai écrasé.
Merde, c'est pas grave. Ah là 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 là. Je sais pas comment on fait pour sauvegarder, je sais plus du tout quoi faire. Ah, le 2 il est pas courant à trouver par contre. Je le ferai sans doute sur émulateur, un de ces 4. Potentiellement en tout cas. Oups. Bon, je vais suivre la petite flèche verte. Bon, allez. C'est spécial hein, comme jeu. La nostalgie. Et GTA 2 en ce moment il est à 40 euros en occasion. 39,95 le bordel. Ils avaient reçu la dernière fois. Oh non. Merde, j'ai cassé. Ouais. Ils avaient reçu la dernière fois le coffret trilogie, du coup, avec les trois premiers GTA, du coup. Le 1, le 2 et le London. 40 euros. Sans notice, par contre. Mais ton GA, il était plus. Mais là, par contre, si tu veux le jeu tout seul, GTA 2, c'est le plus courant. Faut mettre 40 euros. C'est un peu cher. Pour des anciens jeux comme ça, c'est super cher. Et c'est quasiment le prix que j'ai donné pour Sun River. Par contre, je l'avais payé 30, 35 euros, je crois. Et ah bah c'est sûr que ça prend de la cote, hein. La semaine dernière, je suis allé en boutique, petit magasin indépendant aussi d'ailleurs. Je cherchais des Metal Gear Solid, mais je voulais la. Je voulais prendre la HD Collection sur PlayStation 3. C'était 20... Je crois que c'est 20 ou 25 euros, je pense. L'ennui, c'est qu'il n'y avait pas. Par contre, il y avait les jeux PS2 et j'ai donné le même prix en fait. Les deux jeux, c'est un peu abusé quand même sur PS2, ça coûte extrêmement cher. Le pire c'est qu'il y en a beaucoup qui font le full set PS2, beaucoup de gens, beaucoup de youtubeurs même qui font qui essaient de faire des full set PS2 et quand tu vois les prix. Ouais, c'est souvent le même jeu qui revient avec une cote monstrueuse qui est le Rule of Rose à 300 ou 400 euros. Mais je trouve ça vraiment super cher. Hein. Merde, mais pourquoi je tire sur les gens? Non, je peux passer au-dessus de la voiture aussi, si c'est toujours d'actualité. Hop, il passe même à travers d'ailleurs. Bon, je vais aller voir à la cabine téléphonique. Hop là, collection. Là, on a un gilet pare-balles à 10. Qu'est-ce que c'est moche, GTA, quand même, mine de rien. Et on a grandi avec ça. Hein. On a grandi avec ce jeu-là. C'est ah, s'ils leur font un remaster avec une vue comme ça, je pense que ça pourrait encore fonctionner correctement. Je pense qu'il y a moyen de se faire un truc chouette avec la technologie d'aujourd'hui. Hop, on va où? Bizarre qu'il n'y a pas la radio. Moi non plus, j'achète rien pour le full set parce que je sais qu'il y a des jeux, encore une fois, qui ont des cotes de malade. Je mettrai pas 400 euros déjà dans un jeu, c'est sûr. Allez, on a une voiture tout-terrain. Voilà. Lève les explosifs en main propre et pizza. Ok. Mais c'est terrible.
Ouais, le pire, c'est qu'il y en a qui achètent des jeux pour le full set et qui jouent pas avec. Et quand tu vois les conneries en plus de jeux qui te sortent. Surtout sur PS2. Surtout sur PlayStation 2, c'est la moitié des jeux qui sont des conneries. Les ambulances de l'époque à GTA, c'est quelque chose. Hein. Bon, on va éviter d'écraser des gens plus qu'il ne faut. Je pense que je vais laisser ma voiture là, ça va péter. Ça peut péter. Ça peut péter. Okay. Ah. Ça fait un bruit. On avait même les missions taxi. Sauf que tu savais pas où aller avec les gens, mais t'avais des missions taxi, quoi. Vous savez qu'on a Liberty City en plus dans la ville là, c'est fou. Hein. Ça n'a rien à envier à GTA 4, mais c'était Liberty City à l'époque. Bon, je vais faire quoi du coup? Foot explosif, attends un camion de la livraison, okay, qui arrive détruit là. Monsieur, ça va péter. Je peux changer d'arme normalement. Wow. Ah, et la place, ça c'est le problème de tous. Ah bah c'est bon, on est payé. Ah, et la place, c'est ce qui manque un peu chez tout le monde, hein. On va re-suivre la flèche. Putain, je suis en train d'écraser tout le monde. Bon. Je suis en train d'écraser tout le monde. Là, t'inquiète que je commence à manquer de place aussi. Elmo, une nouvelle drogue, Zeebazoo associé à la musique des futurs. Quand les gens en font, c'est pas bon pour notre réputation. Oh, putain, j'ai même pas le temps de lire. Ah, il y a de la baston là. Oula. S'il veut le monsieur. Ah, c'est moi hein, qui veux te taper. Mais oh, je me suis fait tuer. Les gens qui veulent se taper. Cool. Bon, je sais pas si on est en mission, c'est un dernier champ, je ne pourrais plus aller bosser avec toi. Ok. Bon, on retourne à la mission, du coup. Hop. Je sais toujours pas comment on sauvegarde, hein, par contre. J'ai totalement oublié. Ah, ma voiture est restée là, tiens. Super. Je pense que c'était pas une cabine téléphonique, du coup, pour... Putain, je sais plus, hein. Je sais plus comment on fait pour sauvegarder.
je vais éviter qu'on me retape, je me fasse retaper. Mais un salaud. C'est bon. Il faut qu'on aille voir du coup. Ah, la conduite, c'est terrible, hein. La conduite, c'est terrible. Ah. Bon, de mémoire, on sait pas nager, par contre. Alors, attention. On va faire attention. Hein. Ils ont décocté le molotov, les gars. Moi ça, ouais c'est bon, ouais, ok. Oh mais zut. Ça fait un petit tour de la ville. Il y a personne qui veut se battre. Il n'y a personne qui veut se battre. Utilise le lance-flamme. Ok. C'était la petite mission bonus qu'on avait. C'est pas terrible, mais bon. Ah, il y a la police. On a pas une très longue portée en plus avec le lance-flamme. Je sais pas si on l'a touché, ouais, c'est bon, il nous reste 20 personnes en 1 minute 10. Ah, toujours en ville. C'est bon. Mais c'est bon aussi, je crois. Non? Ah, il a disparu. C'est bon. Avec 15 personnes en 40 secondes, ça va être un peu chaud. C'est bon. C'est pas bon. Ouais, moi je vais pas tarder à arrêter non plus. Oh, c'était vraiment juste pour essayer. Donc je ferai pas d'autres lives dessus, hein. Là c'est vraiment juste pour passer son temps un petit peu. On va aller piquer l'ambulance. Pour l'époque, on kiffait, nous, ce genre de jeu-là. C'est vrai que ça a très mal vieilli. Hein. Ok,
Par contre, t'avais encore une totale liberté pour l'époque, à partir de GTA 3. Ils ont commencé à mettre des barrières du coup entre les niveaux. Pareil pour San Andreas à l'époque. Il fallait absolument faire les missions, hein, du coup, pour te débloquer une autre parcelle de la ville. Et c'est seulement avec GTA 5 du coup qu'ils ont commencé à faire un monde plus ou moins ouvert. GTA 4, on pouvait pas. Alors que si GTA 4, je crois qu'on pouvait déjà voyager un petit peu partout. Bon, et voilà. C'est pour ça que ça va. Vitesse de texte, c'est bon. Voilà, bon, sauvegarde, je ne sais pas du tout où était. Hein. Dans tous les cas, c'est pas grave. C'est un fichier, mais j'en ai pas donc. Bon, allez, on va s'arrêter là du coup. Voilà pour GTA. Je sais même pas si je mettrai la rediff en vrai. C'était juste pour passer son temps encore une fois. Donc. Tranquille. Ouais, je joue sur émulateur, ouais. Ouais, parce que j'ai pas le jeu, donc. Malheureusement. Bah, je pense que si c'était à racheter, je pense que j'y jouerais potentiellement pas. Parce que ça. Là, c'était vraiment comme ça pour passer son temps, mais je vois que c'est. C'est un peu moins fun qu'avant, je trouve. C'est vraiment un petit peu moins fun qu'avant. Et ouais, si c'était à racheter déjà 40 euros pour un jeu comme ça, c'est pas donné. C'est pas donné du tout. Oui, on a bien discuté. Bah, si jamais tu veux discuter sur Discord. Également, de toute façon, il est ouvert. Et merci en tout cas d'être passé, ça fait plaisir. Je vais couper le truc ici. Oh, j'arrive même pas à couper le jeu. Hop là. Hop là. Voilà. Allez, moi je coupe là. Et à la prochaine.